Bonjour Delphine Cambet. Bonjour. Vous êtes libraire à Lunel. La librairie AB, vous organisez ce festival Polar et Vin à Lunel avec 12 auteurs et 12 vignerons qui sont présents Oui. pour parler de leur passion. Comment est née cette idée? Alors, cette idée est née il y a un an et demi avec une rencontre que j'organisais à la librairie avec l'auteur Maud Majoras qui participe à une manifestation similaire à Limoges qui s'appelle Vin Noir et elle a trouvé mon endroit sympa et m'a suggéré l'idée d'organiser voilà des rencontres autour du vin et du polar. Et l'idée m'a plu et voilà, je suis partie dans l'aventure. Les polars et le vin, le rouge et le noir, le mariage est presque parfait. Alors, le vin et pourquoi le vin et le polar? Parce qu'en fait, je me suis rendu compte en organisant sur Lunel des manifestations donc autour du vin et autour de la littérature que ces deux publics se mariaient à merveille. C'est-à-dire que souvent, les amateurs de vin étaient amateurs de polar et vice-versa. Donc, ça permettait de croiser des publics différents mais complémentaires, d'où l'association. Qui sont les auteurs présents sur place à Lunel ce week-end? Alors, il y a donc 12 auteurs, dont des auteurs locaux, Gianni Pierozzi, Alain Guyard, Le Nîmois, ou alors encore Yves Desmazes et Janine Tesson parmi ces auteurs. Mais également, voilà, il y a 12 auteurs de très bonne facture, je dirais. Côté vigneron et vigneronne. Donc j'ai essayé de prendre aussi des gens qui étaient sur le pays de Lunel, notamment voilà par exemple Marco Polo ou le château de Roumanières, mais de déborder un petit peu les frontières, d'aller jusqu'au Pic Saint-Loup avec le Mastelem ou encore de d'oser traverser le Vidourle là, en passant dans le Gard avec le domaine de Roumadère et son unique cuvée. Donc voilà, on a un échantillon de vin assez étendu aussi de ce côté-là. Delphine Cambet, sans développer tout le programme, on peut noter de nombreuses conférences, des ateliers, des tables rondes et des siestes noires. Késako. Alors les siestes noires, ce seront des temps calmes dans le patio de l'espace Castel où on aura installé des transats et où les gens pourront profiter d'une lecture noire autour d'un recueil qu'on a choisi pour l'occasion qui est le recueil Étranges-Étrangers paru à la Manufacture de Livres et voilà qui propose des petites nouvelles noires, donc des temps de lecture dans le patio de l'espace Castel. Des concerts, alors il y a un concert d'ouverture pour le lancement le vendredi 11 mars, c'est une soirée intermédiaire en cœur de ville sur la place des Caladons où les 12 musiciens du groupe Rhythm and Soul vont proposer un blues qui collera bien avec l'ambiance noire du week-end. Il y a une maison d'édition qu'on connaît bien, c'est Actes Sud qui est à vos côtés pour ce premier rendez-vous sur Lunel. Tout à fait. La Actes Sud et plus particulièrement sa collection Actes Noirs sera mise à l'honneur avec une ambiance rouge et noire d'ailleurs qui collera avec le thème aussi pour tout le week-end. Oui, c'est la maison partenaire. Toutes les infos sont sur du rouge au noir.com. Les 12 et 13 mars, la littérature et la vigne s'invitent à Lunel, à l'espace Castel avec des rencontres polar et vin. Merci Delphine Cambet. Merci à vous. Bonne journée.